T'arrives à mettre tout là-haut? C'est toi qui as mis tout là-haut? C'est moi qui ai mis celui-là tout là-haut. Ouais, et les autres là? Non, mais par contre j'ai mis jusqu'à là. On va faire une pause, hein? Ouais. C'est fatigant, hein? On a été vite quand même. Là on en a quand même 23. 23? Ouais. Ah ouais, mais bon, on a dit 100. T'es sûr qu'il y en a 23? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23. Avec les 3 là, ça fait 26. On en a 24. En 35 minutes. Et en 35 minutes, ça va les gars? Adam, ça, si on a problème de maths. Si on a fait 26, allez on va dire 25 en une demi-heure, combien de temps on va mettre pour en faire 100? 100, on va prendre 2 heures. Parce que c'est... Ah oui, j'avais du mal à calculer. Ouais, bravo, champion de maths, champion. Donc en 2 heures on en aurait fait 100. Après moi il faut que je les étiquette, hein. Là on fait que après, les emballer. Tu vois, j'ai quand même pris de l'avance. Ah mais j'ai compté les 26 avec cela. Ouais. Bon ben on n'a pas fini. On continue. On peut ralentir un peu. Et on n'avait pas dit qu'on en faisait 30, mais qu'après il fallait se chauffer. Ah oui, c'est ça qu'on avait dit. 30 et après on va faire les étiquettes. Et attention parce que là j'ai plus de... Je suis en train d'étiqueter tout ça, toute cette pile là. Oh, ça s'arrête jamais. On a plein de colis prêts et étiquetés, prêts à partir, tout ça. Et là, je fais partir, j'étiquette et mon chéri amène le camion là pour qu'on puisse charger. Donc j'étiquette, je mets ici et lui va charger. Mon super héros de l'amour. Il m'a nettoyé tout le camion, il a mis une petite palette et tout, tout protégé pour vos petits colis. Comme ça, ils seront tout propres, tout secs. T'as tout protégé? Oui. Nickel. Il met des palettes et tout. Bah ouais, je vois ça, c'est bien. Bon, allez, je te les étiquette, je te les pose là. Et toi, tu les ranges? Ouais. Ah oui, et puis... Il y a aussi tout ça qui est prêt à partir. Tout
tous à part aussi. Donc il y en a 50 et quelques. C'est pas mal, hein, ça a bien... Là aussi, on en a. Ça a bien diminué le stock. Il s'est mis à pleuvoir alors. Mais mon cœur, si tu pars, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je sens qu'il y a tout qui va tomber. Encore? C'est hop, top! Eh ben, ça en donne du malin pour que vos colis soient au sec. Waterproof. Ta-da! Voilà ce que ça fait, 160... 160 non, 159, très exactement. Paquet. Dis donc, t'as super bien calé tout ça. Ça va jusqu'à tout là-bas. Tu vas à la poste? Oui. T'es content d'aller à la poste? Oui. Oui. Allez, on fait un passe à mouille. Ça va, oui. On veut pas des colis mouillés. Merci monsieur. Il y a Gadouillas. Est-ce qu'il tombe? Alors, hier on a fait plein de paquets. Tout ça part. Tout ça part aussi. Tout ça là, 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 tout ça là. Du coup, là, on a cleané. En fait, hier. C'est flou. En fait, hier, on a fini tous les packs qui étaient en enveloppe, justement. Donc, ça représente quand même, avec ah bon, ce qu'on a fait partir des colis, hein, tout ce qu'on a fait partir, c'est tout ça. C'est énorme. C'est énorme, franchement. Là. Du coup, on a réorganisé. On a fait de la place. Et notamment, on a poussé ici la table pour la suite et fin. Suite et fin, les envois.
Donc, il me reste à envoyer toutes ces bougies-là, avec toutes celles-là, celles-là qui n'ont pas encore d'étiquette, et il y en a encore en dessous. Là. Donc ça, c'est ce qui me reste en colis. Et je pense que je vais réussir à libérer encore au moins une, voire deux étagères. Il faut que j'aille chercher des nouveaux cartons de colis dans la grange. Mais voilà. Donc, on a réorganisé. Je sais pas si on voit de loin. Bon, en fait, ça fait toujours bazar, mais pour moi, qui étais dans un beaucoup plus bazar que ça depuis X jours, ça fait quand même plutôt aéré et rangé. Voilà, là-bas, il y a toujours tous nos manteaux et nos vestes qui sont stockés là-bas en attendant. Ouais, et par contre, le petit problème que j'ai, c'est qu'il me reste plus que ça comme livre, je crois que j'en ai compté 30, comme livre pré-emballé. Donc j'en ai pas assez pour la journée qui m'attend. Donc soit je fais des colis, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire des colis prêts à partir, comme ça sera toujours ça de prix pour quand mon chéri va arriver d'ici une heure, pour que ça parte aujourd'hui. Même si c'est que 30, je me dis que bah, c'est toujours ça de prix. Et ensuite, il va falloir que je me cale pendant au moins une heure. Alors, on a calculé notre cadence avec mon chéri. Sur une heure, on emballe... Enfin, oui, j'avais dit on prend en balle, mais non, on emballe... alors, ouais, mais c'était à deux. Sur une heure, on en fait 150, mais à deux. Mais je suis plus rapide que lui. Hier, on a fait la course. On a pris une boîte chacun, et on a fait la course. De dire avec qui en emballe le plus. Et le premier qui finissait sa pile, il avait gagné. Il n'y avait rien à gagner. On n'a pas mis d'enjeu. Mais j'aurais dû parce que j'ai gagné. Bref, voilà. Donc du coup, bah, je vais faire ça cet après-midi, de réemballer des livres pour continuer mes colis. Voilà. Bon, bah, c'est parti. J'avoue que j'ai moins le cœur à filmer parce que c'est un peu les mêmes choses. J'ai l'impression que c'est ultra barbant. Mais bon. Je filme, hein, c'est mon petit journal de bord aussi. Voilà. Bientôt, tout ça partira. Parce que on va refaire cette pièce en fait. Mais du coup, ça va être tout refait. Isolation, placo, machin. C'est la dernière année où je fais les colis avec ce décor. Magnifique. Magnifique. Très. Ça a dû cacher quand même. Bon. Allez. Je m'y mets. Jour 122. Est-ce que t'as... C'est les dernières enveloppes qui partent. Après, il n'y a plus les enveloppes. T'es content? Et quelques colis quand même. Nouvelle semaine, nouveau colis. On pense voir un peu le bout. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Il y en a combien là? Je sais pas. Il pleut toujours. Toujours, toujours. Ouais, n'empêche, c'est encore bien le bazar. Le loot, mais on avance, franchement on avance même plutôt pas mal, c'est carrément le bazar même. Mais là on a fait tout ça en colis, c'est parti.
coup, on est lundi 30 octobre. On est en train de faire des colis avec mon chéri, en plus en train de bien avancer, et mon imprimante nous a claqué dans les doigts. Sachant que je venais de changer, de mettre une cartouche neuve en plus ce matin, je suis dégoûtée. Donc là on peut plus imprimer ni timbre, ni bordereau, colissimo. C'est vraiment la loose, je suis dégoûtée parce qu'en vrai on avait un trop bon rythme, on est au taquet depuis ce matin. Mon chéri est parti encore avec un camion plein à la poste. Il nous reste moins de 100 colis à faire partir. Donc on s'est dit, allez, on met le gros coup de collier, puis on les fait. Et ben un problème technique. Du coup, on va aller en ville. Alors, ce qui est chiant, c'est que ça va nous couper dans l'élan parce que c'est quand même loin, on a 35 minutes de route au moins. Mais bon, on s'est dit on y va. On a d'autres choses à voir et à prendre, donc on va en profiter pour faire nos 2-3 petites courses. Voilà. Du coup, j'ai été me changer parce que j'étais un peu en pilou-pilou pour pas bouger de la maison. Mais voilà, on va en profiter, on va passer à Jardiland. J'adore aller à Jardiland. Mais en fait, on a paumé les deux laisses de Sally. On n'a plus de laisses pour Sally. En fait, c'est pas trop problématique. C'était pas trop problématique là, parce que chez nous, on se balade. Elle reste sans laisse, il n'y a pas de souci. Mais comme on prévoit de peut-être partir 2-3 jours, on aimerait aller souffler un peu. Il faudrait qu'on ait quand même une laisse, donc on va en profiter. Et ce sera la petite récompense après avoir été acheté imprimante d'aller se trouver, enfin d'aller zoner dans les rayons de Jardiland que j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, mon imprimante est dead. En même temps, avec ce qu'on lui a mis là, et puis elle est vieille. Elle a peut-être 8-9 ans, 8 ans. On l'avait à Nice depuis longtemps. Bref, franchement, très rentable. Ce qui m'embête un peu, c'est d'avoir mis une cartouche neuve pour rien, quoi. Mais bon, à voir si le modèle qu'on prend. Mais je pense qu'on va prendre un gros truc, tant qu'à faire, un truc qui envoie, quoi. Voilà. Bon, c'est la vie, ça fait partie du truc. Mais entre ça et le site de la poste qui était en bug total, des fois, c'est les petits problèmes techniques qui font que ça vous foire le planning, alors que nous, on est bon et on est opérationnel, quoi. Mais bon, c'est fait partie du jeu, c'est pas grave. Voilà, donc c'est parti. On va s'oxygéner un peu, du coup. Moi, le fait de sortir du garage me permet de voir autre chose. Et j'avoue que j'ai les yeux qui en ont quand même besoin, là. Donc, bon, ça va quand même faire du bien. Voilà. Ah, j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner. Oh, je suis, mais harcelée de messages. Alors, quand c'est des messages de personnes qui me mentionnent parce qu'ils ont reçu leur colis, c'est toujours très cool. Mais je reçois je ne sais combien de messages de personnes qui veulent savoir où en est leur colis. Et le problème, c'est que le temps que j'aille chercher, qui sait, savoir si c'est un colis qui est effectivement parti et perdu, ou si c'est quelqu'un qui n'a juste pas encore reçu parce que en fait c'est en cours, ou alors que je n'ai pas encore fait partir le colis. Mais moi, ça me fait perdre un temps monstre, en fait. Et après, c'est tout à fait normal que les personnes veulent savoir, puisqu'elles voient des réceptions. Mais du coup, je suis obligée de zapper un petit peu ces messages-là, parce qu'en fait, le temps que j'aille voir, j'aurais pu faire leur colis, quoi. Mais c'est normal qu'ils s'inquiètent aussi, et je le comprends complètement. Et du coup, j'ai du mal à gérer tout, et aussi les messages, et aussi le SAV, et tout. Bon, la boutique est à jour, donc ça, ça va. Mais c'est tout le reste, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de décrocher un petit peu et qu'on va essayer de s'oxygéner un petit peu. Ça va faire du bien. À la tête. Pas qu'à la tête, d'ailleurs. Oh, je suis toute rouge. Bon, allez, on file. Mission. Thank you.
Daniel? Oui. T'es congelé? Allez, viens voir le plan. Waouh, ça a l'air trop cool. C'est Jurassic Park. Voilà. Je sens que toute la journée, tu vas nous faire... Ah, ça c'est Adam ça. Il fait froid. Tu voulais voir la neige, hein? Thank you.
Alors ? C'est trop bien ici. En plus, il y a beaucoup de neige. En Dordogne, en plus, ça, il neige super tôt. Tu regardes tes cheveux ? Ouais, mais il fait froid là. Hein. Ouais. Des sapins d'automne ? Oui, il y a des feuilles d'automne et il y a des feuilles de sapins. Des feuilles comme ça. Oui, c'est une belle forêt de sapins. C'est interdit. Daniel ? Coucou ! On est lundi 6, je ne sais plus les dates, il est 8h50, c'est donc la rentrée scolaire. Je fais genre je suis contente mais pas du tout, je suis toute triste, oh, les enfants qui pleuraient à l'école et tout, les petits, et Adam qui est monté dans le bus, et pour la première fois j'avais l'impression qu'il avait honte que je lui dise « Adam, mon bisou !» Il est revenu me faire mon bisou quand même. Mais, ah, j'aime pas les rentrées scolaires. Enfin, les reprises de vacances comme ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je sais pas, ça me fout le cafard. Quand on passe 2 semaines qu'avec les enfants et tout. Et pourtant, Dieu sait que pendant les vacances, des fois, ils ont été saoulants. Mais en même temps, j'ai pas été non plus hyper cool avec tous mes colis. Mais je suis jamais pressée qu'ils reprennent l'école. Je dis pas que ça a toujours été comme ça. Il y a eu des fois... j'avais vraiment hâte qu'il retourne, mais maintenant, je pense que je profite tellement pas pour moi, je profite tellement pas des vacances avec eux que du coup, ben en fait, il me manque vite quoi. Mais bon, il faut qu'ils retournent. Dans leur vie à eux, dans leur vie de petit garçon à eux. Bon, petit topo, j'ai pas envie de parler longtemps. Déjà parce que il faut absolument que je rentre me boire un café. J'ai l'appel de la caféine plus plus.
Puis je vais me faire un petit feu. Ça y est, ça reprend. C'est la saison où le matin, je me fais mon petit feu en rentrant de l'école. Bon, en réalité, il ne fait pas hyper froid. Il fait 8 degrés. Mais il pleut encore. Comme depuis les 3 dernières semaines. Et du coup, la maison peut être vite humide. Alors en fait, elle n'est pas humide. Mais il y a cette sensation d'humidité fraîche, en fait. Et du coup, j'aime que la maison soit toujours bien chaude et au sec. Voilà. Et puis, de réchauffer la maison plus tôt, bah, après, ça garde. Et du coup, le soir, quand les enfants rentrent de l'école, eh ben, il fait tout chaud. Et surtout que là, on a changé l'heure pendant les vacances. Donc, quand Adam va rentrer, il fera nuit, quoi. Bref. Sinon... On a donc passé 2 semaines de vacances complètement dingue, puisque nous avons fini tous les colis Ulule en moins de 2 semaines, hein, puisqu'en réalité sur les 2 semaines, on a quand même pris le premier samedi parce qu'on avait le Halloween du Pony Club, donc le samedi je n'ai pas fait de colis. Et on est parti 2 jours en Auvergne. Et j'ai préparé ma vente et tout. Enfin, je veux dire, en tout, on a fait tous nos colis. Tous les colis Ulule. En 9 jours. Peut-être 10. Ouais, peut-être 10. Mais 1100 colis, quoi. Donc c'est cool. Alors après, ils sont faits. Enfin, il en reste 30 en réalité qui sont faits. Ils sont prêts à partir, mais hier, en fait, mon imprimante m'a encore joué des tours. Du coup, j'ai pas... En fait, les bons sortent, mais j'ai peur que ce soit pas bon et il y a des traits et j'ai peur que ça flash mal à la poste. Donc, du coup, j'en ai 30 qui sont là et je vais aller... Je vais aller chercher une cartouche d'encre, parce que j'en ai commandé une, mais elle n'arrive que demain, donc c'est pas grave. Je vais aller chercher une cartouche d'encre, donc je vais devoir aller en ville, acheter une cartouche d'encre, rentrer, changer ma cartouche d'encre, réimprimer les 30 bons des 30 colis, les coller sur les colis concernés, et les mettre dans ma voiture, et ensuite aller à la poste. Mais du coup, enfin, tout est prêt, quoi. Je veux dire, normalement, tout le monde a reçu son mail et tout. J'ai énormément de SAV. Enfin, de SAV. Quand je dis SAV, c'est de mails ou de messages qu'il faut que je réponde, de personnes qui s'inquiètent de ne pas avoir leur commande, de personnes qui s'inquiètent de ne pas avoir le numéro de suivi, ou alors de personnes qui ont pris plusieurs packs et qui du coup ont reçu qu'un pack et j'ai mal regardé, puis en fait ils en avaient pris d'autres, du coup je l'ai envoyé quand même mais dans un autre envoi, donc en fait il faut juste que je les rassure. En fait c'est beaucoup de personnes à rassurer, j'en ai à peu près une quarantaine de mails comme ça. Et après j'ai 4 ou 5 SAV, vraiment SAV, c'est-à-dire personnes qui ont reçu un colis abîmé ou livre abîmé, ou voilà. Mais il ne manque rien dans les colis. De toute façon, tous les colis qui sont partis ont été vérifiés 2 fois. Même 3 ont été, puisqu'ils ont été faits en vérification. Vérifiés par moi. Revérifiés avec le contenu. Et j'ai fermé les colis. Ou mon chéri. Ou alors je passais à mon chéri pour qu'il ferme le colis quand j'avais tout vérifié. J'ai tenu à ce que tous les colis soient checkés 2 fois. Il n'y a aucune erreur possible dans les colis. Et ça, j'en suis contente. Parce que l'année dernière, on avait eu pas mal de petits loupés. Et après, c'était pénible à rattraper, quoi. Mais bon. Donc, voilà. Retour d'expérience de cette grosse phase d'envoi. Eh ben, c'est fatigant quand même. Franchement, en fait, je peux pas faire autre chose. Et c'est ça qui me pèse. C'est que quand je fais les... En fait, ça ne me dérange pas de faire les colis. Mais bon, bah, je les ai encore fait pendant les vacances scolaires, décidément. Ah, il pleut. Enfin, ça retombe. Mais c'est surtout que, ouais, quand je fais les colis, bah, je ne peux pas faire autre chose. Donc, en fait, je peux pas... je ne dois faire que ça. Et ça me pèse un peu.
Parce que du coup, bah là, pour le coup, c'était les vacances, donc j'ai pas pu profiter de mes enfants en plus. Mais surtout, eh ben, faut pas avoir d'autres projets derrière, quoi. Et moi, j'en ai. Donc, c'est difficile de gérer le temps comme ça. Et bon, peut-être que j'ai encore des choses que je peux améliorer. Après, c'est sûr que moi, je me suis mis la pression d'envoyer au maximum en un minimum de temps, parce qu'en fait, je veux que les personnes reçoivent sans qu'il y ait trop de délai entre, même si j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit « Mais t'inquiète pas, si on n'a pas tout, même si ça déborde sur novembre, c'est pas grave et tout. » Enfin, c'est adorable en plus, parce que c'est des personnes qui ont compris ce que ça représentait aussi pour moi en charge de travail. Mais je tiens à ce que tout le monde ait ses colis... Bah, je sais que ça peut être pas rageant, mais de voir que tout le monde reçoit et puis que soit même on n'a pas encore, je comprends que ça peut être rageant. Ah, mon chéri m'appelle. 2 secondes. Je sais plus ce que je disais. Mon téléphone a sonné, désolée. C'était mon chéri qui voulait savoir si les enfants avaient été ce matin. Bref, bon sinon, après mes vacances ne se résument pas, enfin ces 2 dernières semaines ne se résument pas que au colis Ulule, heureusement on a fait quand même d'autres choses, on s'est quand même octroyé parce qu'on a eu, en fait on a eu un ras-le-bol à un moment, mais vraiment... Tout le monde, quoi. Autant mon chéri, moi, les enfants, on était tous les quatre là, un peu ras-le-bol. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pendant les vacances et pendant que je faisais les colis, bon, les enfants m'ont beaucoup aidé. Franchement, ils ont été trop cool. Franchement, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'ils m'ont aidé autant qu'un adulte m'aurait aidé, quoi. On est une trop bonne équipe. Mais du coup, après, je voulais pas non plus qu'ils... Tous les jours... Parce que c'est eux qui me demandaient. C'est fou, mais je crois qu'ils aiment bien faire ça. Et du coup, je voulais pas non plus qu'ils fassent de trop. Enfin, je veux dire, on a fait... pendant 3 jours déjà, ils m'ont aidé la première semaine et je leur ai dit stop après. Et puis, il y a des choses qu'ils peuvent pas non plus faire, quoi. Mais... du coup, en fait, comme il pleuvait, Adam a une entorse. Il s'est fait une entorse à la cheville avant les vacances. Du coup, il pouvait pas faire grand-chose. Il pouvait pas jouer dehors parce qu'il était tout gadou. Pas de cheval, pas de vélo, pas grand-chose, quoi. Donc, ils sont restés un peu enfermés. Et puis, en fait, on en a eu ras-le-bol. Et on s'est dit, sur un coup de tête, mais alors, un soir à... 1h et quelques du matin où on était en train de faire les colis pour le surlendemain, on s'est dit allez, on part. Voilà, on part. Donc on a réservé en pleine nuit le logement qu'on a trouvé. Enfin, on a regardé ensemble avec mon chéri. On a regardé, on a trouvé un logement. On voulait aller en Auvergne. Les enfants, on leur avait beaucoup parlé de Vulcania, donc. Qui est un parc d'attractions à thème sur les volcans d'Auvergne. Enfin, sur les volcans, les tremblements de terre, enfin, un peu tous les phénomènes naturels, mais particulièrement sur les volcans d'Auvergne et sur l'Auvergne. Et du coup, ça faisait un moment quand même qu'on disait, ah bah tiens, un jour on irait bien, parce que moi j'avais très envie de voir l'Auvergne et ces beaux paysages. Et en fait, on y passe souvent parce que mon papa et mes sœurs habitent. Un peu après, enfin, quand on va chez eux, en tout cas on passe par l'Auvergne, et à chaque fois qu'on y est passé, on se dit oh là là, mais c'est très joli. On y est passé à plusieurs saisons différentes, et on se dit ça a l'air très joli, bon, de ce qu'on en voit de la route, hein. Mais ça avait l'air à chaque fois très joli, et effectivement, franchement, c'est même encore plus joli que ce qu'on pensait. On en a pris plein les yeux. On est parti donc de nuit, donc 2 jours de nuit, c'était très court. On a donc été au parc Vulcania. Qui était bien, mais franchement je pense pas qu'on y retournera. Les enfants ont adoré et c'est le principal, mais on a trouvé pareil avec mon chéri. Alors peut-être parce que c'est la période où on a été, parce qu'il y avait beaucoup de monde et que c'était blindé, hein. Franchement c'était mais full, et je supporte pas la foule.
Et je suis très claustrophobe. Et donc, je sais pas, peut-être qu'il y a plus que moi, sûrement. Hein. Mais je ne supporte pas d'être enfermée. Et je n'ai surtout pas quand c'est avec de la foule. Et en plus de ça, j'ai une peur panique de l'attentat. Ouais. J'ai toujours... quand je suis dans un endroit où il y a du monde, mais n'importe quel endroit fermé, c'est-à-dire que même les endroits où je vais aller pour faire mes courses, il faut que je sache où sont les sorties possibles, il faut que j'ai les enfants près de moi, je ne lâche pas la main à Daniel, je leur donne toujours des consignes de sécurité, dès que je dis cours, tu cours, enfin bon, je suis très 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 chiante en plus, franchement je suis très pénible sur ça. J'ai beaucoup pris sur moi là d'aller dans ce parc parce qu'en fait c'est un parc qui est sur plusieurs niveaux, donc il y a deux niveaux moins, y a des niveaux moins deux, des niveaux souterrains, donc là on voit pas du tout dehors, il n'y a pas de fenêtre enfin on voit quasiment pas dehors. S'il faut prendre des ascenseurs, c'est des ascenseurs de 30 personnes et ensuite on fait la queue et on fait la queue pour accéder à des genres d'attractions, on va dire. C'est des... Je n'aime pas les attractions, enfin les trucs à sensation, les manèges à sensation, je déteste, donc je suis pas du tout fan de ça, donc ça je n'ai pas fait. Mais c'est des attractions pour en gros reproduire les effets spéciaux de, par exemple, d'un sous-marin, d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique, d'une tornade, d'une avalanche, enfin voilà. Et donc c'est comme des salles de cinéma, pour certains, alors il y en a aussi des nacelles, où on va être dedans, on s'agrippe et tout, et puis il y a des écrans, on est complètement immergé dans le truc, c'est très bien fait, et c'était vraiment chouette, et les enfants ont adoré, et même nous, on a eu nos petites sensations, c'était cool. Mais bon, Daniel l'a fait, quoi, donc c'était light. et sinon, c'est des grandes salles, style salle de cinéma, avec lunettes 3D, et puis le siège qui bouge, dont vous jette de l'eau, il y a des serpents, enfin des faux, hein, qui vous sortent dans les pieds, machin, enfin bon, donc voilà. Mais le problème, c'est que ça, c'était très bien. Bien que se retrouver dans une salle avec 400 personnes, bon, ça va. C'était bien fait. Une fois que c'était fini, tout le monde partait. Et puis voilà. Mais moi, je suis du style à soit je me jette vite pour sortir en premier, soit j'attends que tout le monde passe parce que je ne peux pas être dans une foule collée à des gens. Ça m'angoisse et ça me... Je ne peux pas et je peux en tomber dans les pommes. Je suis pas bien, je deviens toute moite, je suis pas bien. Voilà. C'est rien de foufou, hein. Je suis pas en train de me plaindre, mais en fait, c'est vrai que ça me gâche souvent certaines expériences. Comment dire? Il y a des trucs que je m'interdis de faire et des endroits où j'interdis aux enfants d'aller parce que j'ai cette peur, moi. Voilà. Par exemple, quand ils ont une sortie scolaire, ben, c'est vrai que souvent j'accompagne. Mais parce que ça me rassure d'être là avec eux au cas où il y ait une mauvaise rencontre. Voilà. Ça ne les je sais que ça ne les protège pas forcément plus, mais je suis complètement psychopathe de vouloir contrôler toujours tout pour au cas où. Du coup, les attractions étaient très bien. Franchement, les attractions étaient pour la plupart vraiment chouettes. Il y en a où on suit un dragon, il y en a où on est donc dans des simulations d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre, etc. Et c'est super bien fait, c'est vraiment chouette comme tout. En plus de ça, du coup, c'est fait avec des vraies images de l'Auvergne, donc ça permet de voir beaucoup de paysages d'Auvergne magnifiques et de se rendre compte à quel point la région est riche et belle. Vous avez une animation de 6 minutes, 9 minutes, et pour ça vous faites 30 minutes de queue. Et 30 minutes de queue avec un petit garçon de 5 ans qui a la patience d'une mouche, et un autre petit garçon qui a une entorse au pied, enfin une entorse à la cheville, et qui du coup a du mal à rester debout, et vous qui êtes complètement stressé et paniqué de la foule et du monde, et vous êtes dans des sas parce qu'on vous fait rentrer dans une salle, et paf, vous attendez là. Et je ne vois aucune sortie. J'ai pris sur moi. J'ai franchement pris sur moi de ouf.
Mais du coup, j'ai trouvé que c'était très très long pour du coup le peu, entre guillemets, de choses qu'on peut faire. En fait, on a les trois quarts du temps, c'est de l'attente. Et ça, c'est dommage. Mais bon. Après, on l'a découvert que sur place, mais en fait, il y a une appli. Bah forcément, quand on est dedans, c'était un peu galère aussi, parce que ça marchait pas forcément toujours partout, étant donné qu'on était beaucoup en sous-sol. Enfin, oui, en niveau inférieur. Donc le réseau, c'était pas fifou. Mais il y a une appli qui vous permet de sélectionner les trucs que vous voulez faire. Et du coup, ça vous dit combien de temps il y a d'attente. Donc ça, c'est génial. Mais ça, il devrait le dire à l'entrée. Quand vous prenez votre ticket à 100 000 $, parce que c'est quand même cher. Je suis pas en train de critiquer le parc, hein, parce que franchement, c'est cool ce qu'ils ont fait. C'est vraiment chouette, c'est joli et tout. Tout le monde a été très 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 gentil. En plus là-bas, c'était vraiment chouette. Mais je peux pas dire que j'y retournerai. C'est à faire, c'est à voir. Mais on est content de l'avoir fait quand même. Et puis voilà, du coup, on s'est fait cette petite journée à Vulcania. Et puis le lendemain, bah du coup, c'était le dernier jour. Mais on a profité pour aller balader. On a été balader vers le Puy-de-Dôme. On a vu plusieurs volcans, enfin plusieurs puits. Et on a été ensuite au Mont d'Or, donc le village le Mont d'Or. Et on a été dans le Sancy. On s'est baladé dans le Sancy. Et où est-ce qu'on a été aussi c'était où? Plutôt, je sais plus. Enfin, on a pas mal bourlingué comme ça, bon, sur la journée, donc forcément. Mais de toute façon, il pleuvait, et après, on s'est tapé une tempête de neige, mais alors, magique, quoi. Le clou du spectacle, c'était juste parfait. J'avais plus envie de partir. Vous savez, cette ambiance où on est pris dans la voiture, dans la tempête de neige, et on voit pas derrière, et on voit pas devant, et on s'arrête, et on regarde la neige tomber, et on se dit, bon, là, soit je reste bloquée, soit je décolle. Donc, bon, on a dû quand même décoller, parce qu'on voulait pas non plus rester bloqué dans la neige, mais où ça fait un petit moment complètement suspendu, complètement hors du temps, où il n'y a plus de bruit avec la neige, et c'est juste magique, et je ne me lasserai jamais de voir la neige tomber. Je trouve c'est la chose la plus magique au monde. Je sais pas, de la nature, je trouve que... Je sais pas. J'adore la pluie, ça c'est... Moi j'aime profondément la pluie, et étant pluvieux. Mais la neige, c'est la magie au-dessus, quoi. C'est trop beau. Du coup, j'étais trop, trop, trop heureuse de voir la neige. Et ça m'a... J'avais l'impression que c'était... ma récompense, enfin c'était mon cadeau de tiens, t'as fini tes paquets de ton livre d'hiver et de Noël, quoi. Là, ça m'a, enfin moi je me suis dit, ah, tiens, c'est pour moi. C'est un peu parce qu'elle, je crois que c'est ce qu'elle dit Lorelai dans Gilmore Girls. Je sais pas trop en français comment elle l'explique, mais en anglais, en gros, elle dit que quand elle était petite, elle avait demandé, à ce qu'on lui envoie un signe, un cadeau, je sais plus quoi, et que du coup il avait neigé. Et que pour elle, bah, chaque fois qu'il neige, c'est un cadeau pour elle, en fait. Et c'est vrai que c'est exactement ce que je ressens. Quand il neige, j'ai l'impression que le monde a cessé de tourner et que c'est pas qu'il y a que moi qui existe, mais c'est mon plaisir de fou, quoi. Donc c'est tout mon plaisir, voilà. Et c'est mon cadeau, je le prends comme un cadeau. Un cadeau du ciel, mais du coup, alors je sais qu'il y a des gens qui supportent pas et qui trouvent ça ennuyeux et tout, et puis ça peut être pénible, hein, mais moi j'adore. Voilà, fin du débat sur la neige. Bon voilà, et puis du coup, et ben après tout ça, on est rentré, on a fait le plein de fromage, bien sûr, qui passe en Auvergne sans faire le plein. J'en ai parlé avec une copine, maman de l'école ce matin, qui connaît bien l'Auvergne, et ses fromages. et oui, on a fait le plein de Saint-Nectaire, et de Cantal, et de Bleu, et on a... un tiroir du frigo qui n'est normalement pour les légumes, mais qui est un tiroir à fromage maintenant.
un tiroir à fromage d'Auvergne. Voilà, donc, je crois qu'on a un peu abusé sur ce qu'on a ramené. Mais c'était trop bon, donc voilà, on en a pris plein les yeux, ça nous a fait du bien. C'était beaucoup trop court, hein. On a été 2 jours avec la route et tout. Bon, on a 2h30 de route, donc ça va, mais c'est avec la fatigue, de toute façon, on ne se serait pas senti d'aller plus loin. Mais ça nous a dépaysé, et puis ça a donné un petit quelque chose pour que les enfants racontent. Donc voilà, notre petite virée en Auvergne, et donc ensuite on est rentré, et on a. Le lendemain, j'ai su rester complètement enfermée dans mon bureau, puisque j'ai dû préparer ma vente. Je voulais la préparer quand on était là-bas au gîte, mais en réalité, il y avait zéro. Zéro internet, zéro connexion, zéro réseau, c'était l'horreur. Et du coup, ça m'a obligé à de complètement déconnecter, mais parce que pas le choix. Donc j'ai dû traiter mes photos, faire mes fiches produits, remplir, enfin tout paramétrer ma boutique pour la vente qui a eu lieu donc hier et qui a été complètement dingue. J'ai énormément stressé parce que du coup, j'ai très peu communiqué, j'ai perdu beaucoup de visibilité sur Instagram parce que quand on fait... pas beaucoup de stories et tout, on perd un petit peu. Et du coup, comme ces derniers temps, j'étais dans les colis, forcément, on peut pas être partout. Hein. Et donc, j'ai énormément stressé. Je me suis dit, mais finalement, c'est le moment culminant de mon année, quoi. Je veux dire, c'est le moment où enfin, je propose ma collection, mes cartes, mon bloc-notes, mon tote bag, mes bougies, mon livre surtout. Et s'il n'y a personne au rendez-vous, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup stressé. J'en ai pas dormi la nuit, j'ai fait des cauchemars, n'importe quoi. Et finalement, ça a été complètement fou. Ah, il y a un petit rayon de soleil. Ça a été complètement fou. Dès la première minute, ça a été n'importe quoi sur la boutique. Vous avez été complètement fou. En 4 minutes, on avait près de 100 commandes. Et ensuite ça a continué la première heure, après ça a un peu ça s'est calmé au bout d'une heure et puis ça a repris dans la journée et y a que le soir un peu tard où ça s'est vraiment calmé, mais donc j'ai eu beaucoup 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 de commandes en très peu de temps. Donc quand on a vu ça, là, déjà sur la première heure avec mon chéri, on s'est dit... Alors, mon chéri est très pragmatique, mais on n'a pas assez de livres emballés. Donc, il a pris des livres, il a emballé plusieurs cartons de livres. Ensuite, je l'ai rejoint, on a réemballé. J'ai réemballé des bougies, que j'avais pas encore monté les boîtes et tout. Et je pensais pas qu'il y avait... Enfin, honnêtement... C'est très difficile de prévoir comment une vente va se passer, donc de savoir combien on doit emballer, combien de goodies on doit préparer, combien de... C'est un pari à chaque fois et on ne peut pas savoir. Donc on a fait au mieux et puis encore j'ai pas du tout fini. Hein. Et là en fait je dois continuer à emballer beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Donc je vais faire ça je pense une bonne partie des jours qui viennent. Mais je vais faire, quand je vais rentrer là, je vais faire une story pour expliquer un petit peu que là, le délai pour recevoir la commande, il va être un peu rallongé parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes à préparer. Et surtout que je traîne la fatigue des colis des semaines passées. Donc je vais faire mon maximum pour que ça parte au plus vite. Et j'espère réussir à tout envoyer dans la semaine et pas déborder. Mais je pense que je vais y arriver. Ça va dépendre aussi des commandes qui vont être passées aussi depuis, parce que ça reprend aussi, là, mine de rien. Et donc, voilà, ça va dépendre de ça, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Voilà. Et puis, d'être à jour, et puis après, d'avoir plus que des commandes quotidiennes à envoyer. Mais à la poste, je leur avais dit « Oh là, vous allez être, ça va être plus calme et tout. » Ils font croire que je me moque d'eux. Mais bon, je vais les prévenir. Quand je vais aller déjà là tout à l'heure, je vais en ramener quelques-unes. Donc voilà. En tout cas, si vous avez passé votre commande dans les premières minutes, ne soyez pas étonnés que vous n'ayez pas de suite...
de suite votre commande. C'est juste qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes passées dans les mêmes minutes, en fait. Donc, voilà. Bon, et ben, du coup, je vais aller faire tout ça. Mon café m'attend depuis maintenant presque une demi-heure que je discute toute seule dans ma voiture. J'ai les pieds congelés. Et du coup, je vais aller me réchauffer. Et puis, ben, je sais pas trop quand est-ce que je vais réussir à faire tous ces montages de petits bouts de vidéos que je fais ça et là. J'espère que ce sera pas un vlog trop long et trop pénible. Mais bon, c'est mon quotidien. J'essaie de vous le montrer tel qu'il est. D'ailleurs, j'ai hâte de reprendre des vlogs un peu plus posés. Mais vu la semaine qui m'attend, c'est pas de me réveiller. Bon, et ben, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, on va profiter du rayon de soleil pour se dire au revoir. Prenez bien 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 soin de vous, restez bien couverts, restez bien au chaud, cocoonez-vous. Mille fois merci pour l'accueil que vous avez fait à mon livre, que ce soit vos réceptions Ulule ou pour vos commandes sur ma boutique. Je n'ai pas de mots autres que de vous dire merci parce que ça me touche énormément. C'est quand même le fruit d'une année entière de travail et Dieu sait que j'ai travaillé. Donc ça me touche, voilà, ça me touche beaucoup beaucoup beaucoup. Et puis ben c'est quand même tout grâce à vous, donc je vous suis extrêmement 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 reconnaissante pour tout votre soutien et pour tous vos mots. Et voilà, ça me touche beaucoup. Je vous dis encore un grand merci. Prenez bien 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 soin de vous. Et puis à très bientôt.